pour cette rebonjour Olivier. Donc pour cette seconde vidéo, comme vous l'aurez constaté, je suis plus à la campagne, chez moi, dans la nature, mais je suis bien en centre-ville. Alors vous devez vous demander pourquoi. Et ben c'est très simple, c'est qu'aux Philippines, on n'a pas la chance d'avoir un système électrique très fiable et très stable. Et donc chez moi, à la campagne, il y a des coupures 2 à 3 fois par jour. Donc concrètement, je gère les œufs à 20 km de chez moi. J'ai posé l'incubateur dans mon bureau, donc qui est à Puerto Princesa, alors que moi j'habite à 20 km de Puerto Princesa. Donc je vais vous faire rentrer dans mon bureau. Voilà, soyez pas surpris, c'est pas un bureau à l'européenne. Voilà, allez, je vous rentre au bureau. Et je vais changer la caméra. Voilà, donc nous voilà dans mon bureau. Et donc dans mon bureau, il y a différentes choses que je veux vous montrer. Donc tout d'abord, ces choses là ici. Donc vous voyez l'incubateur qui contient les œufs dedans. Et donc vous voyez un carton ici. Et donc le carton, c'est là que j'ai reçu les œufs de la part de Gaël. Et donc chose pour votre information, le carton était super bien préparé. Il n'y a aucun œuf qui est arrivé cassé ici, et ce pour la deuxième fois. Si on continue un petit peu, donc ici vous pouvez voir ma mireuse, qui est celle recommandée par Gaël d'ailleurs. Et ici vous pouvez voir un pèse œuf que j'utilise donc pour faire le suivi des œufs et que je vous montrerai dans une troisième vidéo dans quelques jours. Voilà, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir et bonne journée.